Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre Let's Play sur Xuan Yuan Sword 7. J'espère que vous allez bien. Pour ma part évidemment, tout va pour le mieux. Ça fait toujours plaisir de se retrouver sur ce petit jeu qui fait bien plaisir. Eh oui, ça fait trois fois plaisir en quelques secondes, mais c'est parce que je suis très content. Eh oui, eh, ça il faut le dire. Donc du coup, bah forcément, je suis chaud. Ah, il va nous raconter une blague, allez. Ah non, pas la chanson, je veux la blague moi. Non, je voulais la blague. Bon, on va écouter alors. Il y a eu un bug là, non? Non, c'était pas un bug. Ok. C'était vraiment l'histoire avec que des mots qui se ressemblent. Wow, ok. Autant pour moi. Ah, il y a un point de TP là. C'est peut-être celui-là que j'avais oublié de prendre tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Dans l'autre épisode pour vous, mais tout à l'heure pour moi. Parce que j'ai fait une petite pause entre deux quand même. Hein. Je tourne pas tout ça d'affilée. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Hop. Tu es con. J'ai l'impression qu'il me disait tu es con. se reposer, non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Quoique. Bon, on va le faire tout de suite. Parce que ça va déclencher un dialogue. Voilà. Comme ça, on débloque les petits dialogues également. C'est jamais de refus. Allez, on continue notre quête principale. Est-ce qu'on fera une partie de Zuolu Chess? Je ne sais pas. Peut-être. C'est possible. Mais là, on va retourner aux ruines de Kiming. Et ça va le faire. Oh, il y a des monstres. C'est des pillards, ça. Ouais. Il y a des pillards, il y a un pillard en slip. Pourquoi il est en slip le pillard? Oh! Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, il me jette des fléchettes, hein! Vilain! Ben dis donc! Non, mais pourquoi je peux pas. C'est bizarre ça! C'est très bizarre. Je voulais lancer mon sort d'emprisonnement, mais je ne peux pas. Enfin, je pouvais pas, c'était pas chargé. C'est étonnant quand même, parce que je l'ai pas utilisé. Bon. Oh là ! Ouais, ça, ça dégage. Et hop. Voilà. Nous n'en parlons plus. Je vais aller voir quand même par là. Parce que je vois qu'il y a l'air d'avoir un point de TP ici. Ah non. Ah non. Pas du tout. Il y a des loups. Est-ce que je leur pète les dents? Ouais. C'est toujours un plaisir. Oh. Ok, je peux revenir en arrière et continuer ma quête. Peut-être pas en fait. J'ai fait le fifou là moi en fait. Bon, c'est pas grave, on va prendre de l'XP. On va le prendre comme ça, ça ira mieux. Ah
Bim, bim. Voilà, niveau 8. Bah, on a bien fait. Comme quoi, hein. Des fois, ça vaut le coup, quand même. Ici. Alors, je m'éloigne de ma quête. Mais j'explore un petit peu à côté. Ah, je suis déjà passé là en fait. Je suis déjà passé, mais oui. Après, une grotte, c'est une grotte quoi. Y a rien qui ressemble plus à une grotte qu'une autre grotte. Hein. Allez hop! Quel plaisir! Donc je pense que de temps en temps je serai obligé d'utiliser les TP en fait, si je comprends bien. Alors là on l'avait déjà pris celui-là. Ah mais ça va, j'ai juste pris un autre chemin, c'est ok. Bah nickel tout ça, nickel. Voilà. Interagir, allez let's go. Ok. Et j'ai le dernier. Ah兄，我还是有点在意。在意呀？好，我们稍后再议。啊兄，别担心，咱们去抓只符鬼就走。 Ok. Parfaitement parfait. Bon, bah du coup. Ce tombeau sera votre tombeau. Je ne sais pas si il y a un monstre dans le monde. Je ne sais pas. Attention. 要是有妖魔的话怎么办？怎么办？有你阿兄在啊。 Alors je pense qu'il y a un succès où on doit faire une chute mortelle, mais j'ai pas envie en fait. Voilà. Comme ça, j'obtiens des âmes. Et ça, c'est bien. Ah, je me rappelle de cette musique. Je suis tellement content qu'il soit en français, ce jeu. Incroyable. N'imaginez pas la chance qu'on a à cette époque, pardon. Je sais pas pourquoi je mets des R partout en ce moment. À cette époque, je sais pas, en ce moment il y a des R qui se glissent dans tous mes mots, ça doit être la fatigue, je pense, ou je commence à vieillir, je sais pas, peut-être, mais dans tous les cas, il y a des choses qui ne vont pas, mais bon, bref, je trouve qu'on a vraiment de la chance, parce qu'on a quand même énormément de jeux aujourd'hui, même de niches, qui sont traduits en français. Alors c'est jamais assez, moi j'aimerais que tous les jeux soient traduits en français pour que ce soit accessible vraiment à tous, mais faut se rendre compte quand même de la chance que l'on a, et on en a très clairement, parce qu'il y a, allez, 10 ans de ça, ce jeu ne serait même déjà jamais sorti en anglais, et aujourd'hui on l'a en français quoi. Allez la boutique, la fameuse. Alors, qu'est-ce que je peux acheter ici? Il y a des choses rares, hein. Il y a des choses rares. Lors d'une parade, 5 secondes de rechargement. Oh, oh. Ça, j'achète. Hop là. Bon, le reste... Je sais pas si ça va me servir à grand-chose, ça. Je vais le prendre quand même. Dans le doute, voilà, je vais l'acheter. Cette dégaine. Allez, on regrimpe.
Alors, je peux aller soit là, soit là-bas. Bizarre ça, il y a deux passages? Je vais grimper. Dans le doute, je grimpe. Hop. Ouais, il y avait peut-être deux passages en fait, ouais. Voilà. Elle, c'est pratique, hein, elle peut se téléporter direct. Quand même beaucoup plus pratique. Ah, un petit feu de camp. Plaisir. Oui, je veux me reposer ici. Voilà. Petit dialogue encore. Hop là. Viens là toi. Bam. Petit punch. Oh, y'en a un là. Viens là, pas beau. Voilà. Hop, merci. Ah, j'ai reçu des néphrites encore. Ça, on en avait bien besoin. Bon, là, je suppose que je ne peux pas passer, mais... Ah non, c'était l'autre passage, en fait. Ok. Bon, j'ai bien fait de passer par le haut, du coup, parce qu'on a débloqué des objets. On a récupéré quelques petits trucs sympas. Ça en valait la peine, très clairement. Ah-shun. Ce chemin上的话好奇怪啊。启明虚，说是祭拜山中鬼神之处，总是见到与虎有关的雕刻。这里真的有符鬼吗？或许这人就是灵山山神。啊？旁边的白虎是他的使者。你看，他们经过了石柱群，中间不知道发生了什么事。 不过，最后山神抵达了鬼神祭台，找到符鬼。那团发光的东西就是符鬼。我们必须先把这些石柱排列好，通过考验才能成功走过这山门。说得在理，仙儿真厉害。 Alors, on va résoudre l'énigme. 是平常阿兄教的好。 On peut les passer, mais bon, ça perdrait un petit peu. Un petit peu d'intérêt, je trouve. Alors, faut juste que je me souvienne comment j'avais fait. Alors, attends, dans quel ordre il faut mettre ça? Ça, lui, il faudra le mettre à la fin. Donc, du coup, il faut que je fasse ça. Je peux pas le pousser, lui? Ah, oui, je peux que tirer. Et lui, c'est le premier, je suppose. 正当一筹莫展之际，我们不懂阵法。啊，没，je peux pas。Sérieux。正当子虚一筹莫展之际，红儿偏偏来到。红儿，我们。On va tirer sur celui-là。英姿飒爽，有道是。OK。 Pendant ce temps-là, les deux blablates, là... Alors, je ne lis pas hein, pendant que je suis en train de faire l'énigme. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Allez, ici. Moi, pour moi, c'est là. Après, je dis peut-être une bêtise, mais... Si, c'est exactement ça. Ok. Hop. Ouais, c'est ça. Nickel. Lui, je vais retirer dessus. Jusqu'au bout.
Ah, c'était peut-être ça en fait. Attends. Attends. Ouais, je suis un ouf moi. C'était ça en fait. Ok. Donc lui, je vais le laisser là. Je vais repousser celui-là. Voilà. Câble. Allez. Hop. Lui, c'est là, c'est bon. Pas de problème. Du coup, on va le pousser. Voilà. Vous voyez que ça se passe plutôt bien. Lui, on va le tirer. Voilà. On le tire vers nous. Hop. Ok. Voilà. Et ça, c'est au début. Donc, on sera bon à ce niveau-là. On sera même bon partout, d'ailleurs. Hop là. Ah, faut juste que je repousse celui-là. J'attire les autres, je pense. Faut tout mettre sur la même ligne. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Hop. Viens ici, toi. Voilà. Et le dernier. Et on sera bon pour celui-là. Manquera plus que de l'autre côté. Que l'autre côté, pardon. Voilà. Et de 1. Ok. Bon, maintenant... l'autre côté. Alors, le dessin est un peu plus spécifique. Bah lui, il doit aller de l'autre côté là-bas. Donc, je vais tirer dessus. Ah bah lui, ce sera le deuxième, je pense. Tu vas voir ? Ouais, c'est bien ça. Ok. Ça m'a l'air un peu plus simple. Ou alors c'est juste que maintenant que j'ai pris le truc en main... j'ai tout bien compris. Attendez, par contre, je vais aller casser ça. Parce que, de mémoire, il y a une cinématique qui se lance après et tu n'as plus le temps de le faire. Je m'étais fait avoir la première fois. Donc, je ne veux pas que ce soit le cas avec celui-là. Hop. Et on tire. Hop là. Parfait. Alors lui. Ouais, je vois. Oui, je vois. Voilà. Lui, il est au bon endroit en plus, donc pas besoin de trop s'embêter. On va juste l'avancer pour laisser place au dernier. Hop. Viens là. Viens là, mon petit père. Voilà. Et ici. Oui, oui, bah hey, j'arrive. Hein. Voilà. C'est good. On pousse celui-là. Voilà. Et le dernier. Alors je laisse volontairement l'énigme et je la passe pas. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui voudront savoir comment on fait. Au moins, avec le let's play, vous le saurez. Et donc ça permettra d'en débloquer quelques-uns, peut-être. Même si l'énigme n'est pas super dure, au moins...
ça vous donne une idée.成功了，真不愧是阿兄。等等，星儿退后。Allez, let's go! On va se faire les pas beaux là. Allez, venez tous là. Tac! Voilà! Ashon, 对不起，我一直引来妖魔。没事，这不都解决了吗？小时候，家附近有群野狗。星儿还记得吗？记得，好几次在家附近玩，不知怎么的就被他们追着跑。妖魔也好，小狗也罢，敢招惹我们？哦啦 ，c'était pas loin là. L'esquive elle était bienvenue. Ok. Perfecto, perfecto.Bien sûr, j'ai laissé le son à fond, oh là là, pendant le dialogue. Hein. Hop là. Hop. Hop. Et voilà.On va aller chercher ce qu'il y a ici. Parfait. Lui, je lui saute dessus. Viens, pas beau. Alors là.Ici. Bon, ce sera pour revenir en arrière après, je pense. On va pas trop s'en occuper pour l'instant de ce passage. Là, il y a des jarres à casser. Nickel. Alors, petit dialogue.我也不骗你，接下来的旅途恐怕只会更危险。但是别担心，阿兄会好好保护你的。唉，要是我也能帮上什么忙就好了。希望有一天能换我来保护阿兄。好啊，现在我保护你，以后换你来保护我，公平交易。Allez, hôtel de pierre, on se heal et bien sûr, évidemment, on sauvegarde. Let's go.和方药物、哦、真是有趣啊，区区一缕幽魂何必留在世上受苦，我来助你解脱吧。香儿，oh là! Oh, il est vénère!
tellement vénère. Wow. Il est chaud lui. Vénère de ouf. Hein. J'ai mal. J'ai vraiment très très mal là. Ok. Ok. Oh! Trop énervé. Ouch. Il m'a stun, hein. Ah! Ah oui, ok. Oh! Oh! Il est en train de me déglinguer, là. Sérieux? Vraiment, là? Genre, il est en train de m'éclater la tronche, là. Oh, sérieusement. C'est parce que j'oublie de me protéger, en fait, de ouf. J'arrive plus à le toucher, ça m'énerve. Mal, hein. Fait mal cet abruti là. Ouais, il suit mes mouvements en fait, j'ai compris le truc. Oh, il fait trop mal. Allez, hop. Alors, vous avez obtenu l'invocation Taowu. Hop. Ouais. Elle est là. Inflige des dégâts multiples. Ok. Très intéressant. Très très intéressant. Ma. Je n'ai rien. 那就好，走吧。 Moi je veux quand même voir pour me heal ici vite fait hein, parce que bon, pas déconner non plus. Et je vais le sauvegarder. On n'est pas passé loin là quand même hein. Il faisait très très mal, très très mal. Alors, continuons notre chemin. On doit capturer l'élémentaire. Hein. Je vais quand même aller voir autour là parce que je suis sûr qu'il y a des... Voilà. Bingo. Et comme on ne crache pas sur quelques coffres ou composants... Oh, des petites potions là, ça va faire plaisir. Oh, encore des petites potions.
Allez, je vous laisse profiter maximum.小家伙，你长得真好看，这顶也好漂亮，是你的家吗？真好啊！啊，我碰得到你。 小家伙真可爱，这么快就交上朋友了。嗯，接济坛一用，省去不少功夫。仙儿，来这站好。待会儿你就站在这儿，不管发生什么事情，别动。 嗯，别怕，阿兄在这儿。好。两声铿锵，声音惊了，加一切都给，往天前去，雷雷。如何？ 掩盖了元灵的气息，这样就不用担心那些魑魅魍魉了。嗯，看起来和以前一样了呢。嗯，木头身体还是有些不太一样。这只是暂时的，阿兄一定会帮你修复身躯。 阿兄，你看，这样也挺方便的呀。灯初上，夜未央。我才唱两句呢。小丫头，<笑>走吧，咱们去上山。嗯。黑火分作九鼎，威力难以估量。若九鼎融合。 毁灭世界，即使能勉强控制，仍会因此被黑火反噬。我们战胜了黑火。 以为一切就此结束，未料战后的余波依然留下了隐患，伤痕会随时间淡去，但终究不会平复。 OK, donc Xiang a rejoint l'équipe. Afficher son menu de personnage. Elle a un niveau, du coup. Nouvelle expérience. Ok. On va mettre ce qu'il y a de mieux quand même. Hein. Bras mécanique. Ah. Ah oui, c'est mieux. Large. Largement. Tiens, lui, j'ai des nouvelles choses aussi. Oh, ouais, bref. Mouais.
je garde ça. C'est très bien comme ça. Ok, allez, avançons. Avançons donc. C'est tout bon, c'est parfait. Alors là, il y a des trucs à casser. Hop. Xiang'er. Ah, dialogue. 感觉怎么样? 没什么特别的感觉。 那就好。 那位大王说, 机关人可以借用符鬼之力发出术法。 真的? 有机会, 咱们试试。 Et voilà. Donc là... Ok. C'est elle qui va m'aider du coup. Hmm. On va falloir tester ça. Ouais, ça a pas trop bien marché. À mon avis, il faut qu'elle soit à côté. Là, elle était loin, ça ne sert à rien. Ok. Ici, pas de coffre. Non. Ici. Là, il y en a un. Faut que je réessaye ça. Ah, par contre, elle se recharge vraiment très lentement. Pour le coup. Ah, mais j'avais pas vu les pépères là. Dame. Allez hop, merci, bisous. Ah mais elle attaque automatiquement, d'accord, très bien. Et j'ai oublié tout ça, qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous allez me dire, depuis j'ai joué à d'autres jeux, donc du coup forcément j'ai oublié des choses, mais quand même, j'avais complètement oublié ça. C'est étonnant. Et dire qu'à l'époque, je me suis dit, si je faisais un let's play sur le jeu, et que je le traduisais moi-même avec les sous-titres. Bon, j'ai bien fait de pas le faire, parce que du coup, c'est fait maintenant. Donc, j'aurais traduit pour rien. Ça aurait été du temps incroyable de perdu. Mais après, je n'exclus pas d'un jour faire des jeux en let's play avec une traduction que je fais moi-même. Ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas la meilleure traduction du monde, mais... Voilà, en tout cas, ça permet de... Ça permet d'avoir une traduction vraiment pour les personnes qui voudraient l'avoir. Traduction sommaire, mais traduction quand même. J'exclus pas de faire ça un jour sur un jeu qui me tiendrait vraiment à cœur. Ce serait vraiment top. Franchement. Alors j'ai pas de titre là en tête hein, particulièrement, mais pourquoi pas. Pourquoi pas un autre jeu un jour. Même si je sais que probablement si le jeu n'a pas été traduit, et que même si je vous fais la traduction, ça biderait probablement. Comme quand je fais un let's play sur un jeu de niche, hein, de toute manière, en général, ça ne marche pas très fort. Mais il arrive que parfois ça marche. Parfois ça marche un petit peu, et des fois il y a des belles surprises. Hop là. Hop. Donc un nouveau point en plus, ça se prend. Allez, on continue notre petite route. Hop. Qu'est-ce qu'il a de beau lui? Un foulard noble. Ok. Cuirasse d'émeraude. Ça augmente pas mal la santé. Ouais. Ah tiens d'ailleurs, on va vérifier un petit peu dans le monde céleste. Ah bah oui, je me doutais bien. Hop. Et voilà. Bon lui, il est toujours pas... Il y a des choses qui me manquent encore. Est-ce qu'il y a du bronze là dans sa boutique? Bronze, oui. Je vais acheter. Hein. C'est important. Hop.
et améliorer. Voilà. C'est bien, ça avance. Il y a un petit peu tout qui avance, ça fait plaisir. Hop, attendez. On va faire ça. Et on va essayer de terminer la quête.老张，你们在看什么呀？啊，几位大人来贴了榜文。啊？有看到通缉要犯吗？ 拿下他！哇，放下武器，救救张军！休想！哇，没mal lui！哇，没mal avec son bazar là. Allez, hop, je le choque. Piou! Mais dis donc. Attendez, je vais aller voir là-dedans. Ah bon, on peut pas. Ça, c'est réglé. Fanzai Tai Shi Zhao, Zizi Xu, Chang'an Li Shi. Bei Li Jue fa xian le. Shi yin wei tian shu de guanxi ma? 阿兄使用天书之力救我，才被他们盯上了吗？是我连累了阿兄，而且我一点忙都帮不上，刚刚也是。没事的，香儿，不用太勉强自己。阿兄会保护你的。哎呀，这也算不上什么事儿。你看，文殊和博生也被通缉了。 壮士，啊，壮士是绿林军的豪杰吗？小人正作，天为此地理正，仰慕绿林军的英雄豪杰已久。我不是绿林军。一样一样，我等饱受朝廷官吏欺压，苦不堪言。见到壮士刚刚出手，真是大快人心呐！我也只是为了自保而已。 此地不宜谈话，壮士不妨进屋一叙。也好，我也有些事情想要请教。请。OK. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Ah, je peux pas. 壮士请坐。壮爸爸，方才听壮士谈到刘家二位将军，您真不是绿林军的豪杰？虽与他们有过数面之缘，但我不是。那壮士可曾听说，绿林军是否会往商契这边过来？不清楚，不过我听说。 接下来，绿林军或许会往宛城去。我等受朝廷官吏欺压已久，一直期待绿林军能来收复此地。可惜呀，壮士刚刚说有事情要问。郑老丈可知商山在何处？ 往西边出了村子，河对面那座大山，便是商山了。要怎么过河？沿着河往上游走，有一处渡口可以过河。其他地方都听闻妖魔平生之事，商契这儿感觉倒是平安。是有位绿衣女子来过村子，
提醒咱们不要贸然上山。也多亏了他，没听说过有村人受妖魔袭击。哦，绿衣女子。是，背着一把金色大剑。我本也想向他致谢，哪知隔日他便不见踪影了。你说商契这儿受朝廷官吏欺压已久，怎么回事？哎，还能是什么事？官差们横征暴敛，不服的全都押走，再没回来的。不知咱们这儿南阳一带没给绿林军收走的地方都是这样。多谢款待，告辞了。壮士这就要离开了。去商山。小人有一事告知，且听小人一言。壮士是否见过一种精怪，名唤仙知？平时埋在土里，与寻常植物无异，若是太过靠近，便会受其攻击。略有耳闻。一般人不知道，但我们商契这儿祖传一种秘制调香，采百年仙知云盖。调和蕙草与其他七种香草，制成弱菌香。便是这炉熏香吗？正是。这又与我何干？不急，且听小人娓娓道来。这弱菌香不单单是气味雅致芬芳，品质还可以消忧解愁，活络气血，延年益寿。只可惜百年仙芝不能常得。啊，郑老丈是想托我狩猎仙芝？并非如此。壮士的身手了得，小人是真心钦佩。但壮士杀了几名官差，就这么一走了之。若是绿林军打算接管商契，那倒也不坏。但又偏不是。如今几名官差死在此处，朝廷问罪下来，小人该如何回答？恐怕现在只会问小人村里借几颗人头充数。弱菌香，香则香矣，但药性霸道。品香前必须服下佐药，否则不到半盏茶，便会手足酸麻，浑身脱力。啊，阿兄。壮士，小人不晓得你与李军有何过节，但杀人偿命的道理是不会错的。你既杀人，便要有被杀的准备。借你人头，保我商契百姓周全。仙儿。阿兄。死了，他死了。我只是想打晕他的，他要杀你，我没有办法，我杀人了。没事，谢谢你，小儿。他既要杀害无辜，反倒被杀了，也怨不得谁。虽然被阿兄安慰了，却没什么感觉呢。可能我还不太适应这木头身体。你再忍耐一下，等我们放出那位大王就没问题了。Ok, bon, c'était un beau salopard celui-là. Très clairement. Très très clairement. Ah non, il casse pas. Ok. Ok. 总算我们是问到商山的路了。Hop là. 希望那些墨者不要太难缠。On va sauvegarder, hein, du coup. 我们走吧。Hop là.
Et voilà. Eh bien écoutez les amis, on va se quitter là-dessus, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je l'ai trouvé vraiment très très bien, il était très sympa, un petit peu de rebondissement, tout juste ce qu'il faut. Il n'y a pas eu de partie de Zhuru, mais c'était cool, mais c'était très très cool. Je vais donc vous dire à tout ou bientôt pour de prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire, hein, ça booste un peu la chaîne et le jeu. Ciao ciao, à la prochaine, et comme d'habitude, vivez à fond votre passion gamer. Ciao les amis, à la prochaine.